Alors, nous allons passer à l'atelier et pour cela, nous allons accueillir donc deux chercheurs qui ont la gentillesse de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, c'est cet atelier intitulé « Imaginaire en circulation dans le monde francophone avec une dimension comparative » donc va être animé par Christian Agbobli et Manuel Zaclav. Alors, je pense que c'est... Christian qui va commencer. Donc je vais vous présenter Christian. Il est professeur titulaire et vice-recteur de la recherche à la création et à la diffusion de l'Université du Québec à Montréal, co-titulaire de la chaire UNESCO en communication et technologie pour le développement et co-fondateur du groupe d'études et de recherche axé sur la communication internationale et interculturelle dont il fut le directeur pendant 10 ans. Christian Agbobli s'intéresse à la communication internationale et interculturelle sous ses diverses formes. Il a réalisé des recherches financées notamment par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et l'Organisation internationale de la Francophonie. Il va aujourd'hui donc nous faire part de recherches et questionner les imaginaires en circulation par rapport au concept d'impérialisme culturel qui fut longtemps en vogue. Alors, je vous remercie pour la présentation et j'en profite pour vous dire combien je suis heureux d'être de retour à Bordeaux depuis, ça fait quelques années que je ne suis pas venu. Je tiens à remercier Alain Kindou de l'invitation ainsi que Franco Nea pour cette belle initiative autour des impacts sociaux de l'intelligence artificielle, parce qu'il s'agit effectivement d'un enjeu, d'une préoccupation qui nous réunit, notamment chercheurs en sciences humaines et sociales. Et en ce qui me concerne, ben, ce qui importe, c'est de vous apporter un peu un regard plutôt des sciences de la communication autour de cette question des imaginaires en circulation dans la francophonie. Et peut-être très rapidement, mon intervention va se faire en 3 ou 4 moments, si je peux dire les choses ainsi. Premier moment, pour planter le décor, c'est entre autres se référer à ces fameuses sciences de la communication et de leur périmètre. On a parlé de design tantôt, on a parlé de sciences du langage. En sciences de la communication, mais on a surtout mis l'accent sur l'influence des médias. Au départ, c'était le fameux modèle stimulus-réponse, où on pensait qu'il y avait une influence directe des médias sur les individus. Et le développement des médias, particulièrement l'avènement de la télévision, a été un temps fort de la construction de l'identité culturelle. Et tranquillement, cette question de l'influence des médias a été supplantée par une façon de voir cette influence de manière limitée, par les effets limités des médias, avec entre autres l'école de Columbia qui a surtout mis l'accent sur le rôle important des leaders d'opinion, et on a abordé aussi plus largement la question de la réception dans les sciences de la communication. Certes, on abordait la question des médias, mais tranquillement, en sciences de la communication, mais Internet et puis les industries de la culture, de la création ont été mis de l'avant.
À côté des sciences de la communication, il y a, pour comprendre toute la question des imaginaires en circulation, il faut aussi comprendre un autre concept qui est celui de la mondialisation. Un concept important qui va nous guider pour mieux saisir les imaginaires en circulation dans le monde francophone. La mondialisation, pour une collègue peut-être que vous connaissez qui a longtemps officié ici à Bordeaux, Anne-Marie Lolland, qui nous dit que la mondialisation représente aussi en principe le libre-échange, la libre circulation des biens des personnes, la liberté d'expression. Et là, cette... on t'a déjà Pardon. écoulé. Non, je suis désolé. Je suis désolé, Christian. J'ai lu en silencieux et puis ça continue là. Pardon. Alors, donc, on voit que la mondialisation, dans ces différentes déclinaisons, est surtout prise sous l'angle de sa dimension culturelle. Alors que il y a eu, au début des années 2000, le débat entre la mondialisation et la globalisation, lequel débat n'existe plus aujourd'hui, même si globalement on considère que la mondialisation, il y a cette dimension culturelle, et la globalisation a un volet beaucoup plus économique. Et dans ce volet économique de la globalisation slash mondialisation, il y a toujours ce rapport entre le local et le global. Et dans cette interaction, dans cette tension entre le global et le local, ben, apparaît d'une certaine façon, je dirais, le concept de médiascape qui a été développé par Arjun Appadurai. Et Arjun Appadurai, je vais vous lire un peu sa définition des médiascape. Ce sont à la fois la distribution des moyens électroniques de produire et de disséminer de l'information. Désormais accessible à un nombre croissant d'intérêts publics et privés à travers le monde, et les images du monde créées par ces médias. Et ces images, donc, qui sont créées, peuvent connaître des altérations très diverses en fonction de leur mode et de leur public, local, national, transnational, ou des intérêts de ceux qui les possèdent ou les contrôlent. Donc, avec les médiascapes, au fond, il y a des paysages qui sont construits, et ces paysages sont constitués de mondes imaginés. Et ces mondes imaginés, eh bien, ont soit une localisation géographique ou traversent l'ensemble de la planète. Pour comprendre ces médiascapes et cette localisation ou délocalisation des images partagées, ben, quoi de mieux que se demander à quoi renvoie cet imaginaire? Et là, je me suis inspiré, puis vous l'avez bien mentionné, de notre cher Herbert Schiller et sa notion d'impérialisme culturel. Vous savez, dans les années 60-70, a été développée cette notion qui disait que, bon, au fond, l'impérialisme culturel est une façon pour le centre. Alors, ça nous ramène à l'économie monde, etc. C'est une façon pour le centre d'influer sur les périphéries, mais en se référant aux médias. Et cette influence sur les périphéries, ben, c'est reposer surtout sur les États-Unis, l'influence américaine dans le monde, qui était de dire, bon, ben, écoutez, on a un American way of life, une façon de vivre, et on veut diffuser cette façon de vivre à l'échelle de la planète. Et donc l'impérialisme culturel, ça a été l'utilisation de la série Dallas, Dynasty, des films, des séries pour pouvoir influencer le monde à travers un modèle de vie qu'on souhaitait que les récepteurs puissent intégrer dans leur façon d'être et de vivre. Et donc cet imaginaire ou cet impérialisme culturel a été pendant très longtemps considéré comme une stratégie politique, économique, culturelle des États-Unis pour influencer le monde. Mais bien sûr que les médias ont joué un rôle important dans ce processus, mais que se passe-t-il quand arrive
les industries de la communication, de la culture, les médias, bref, on déborde des médias spécifiquement pour aller vers les technologies numériques qui, elles, s'insèrent dans toutes les sphères de nos vies. Eh bien, là apparaît une offre importante de culture, de contenu culturel délocalisé, mais en même temps hyper centralisé par les plateformes les plateformes que l'on connaît, qu'on n'a même pas besoin de nommer, tellement elles sont importantes et imposantes. Néanmoins, ce que cette plateforme propose, eh bien, c'est une apparence de diversité de contenu, mais qui, au fond, renvoie beaucoup plus à une homogénéisation des contenus qui sont proposés aux récepteurs. D'ailleurs, plusieurs recherches ont été menées qui nous indiquent que, avec la pluralité des offres de contenus culturels en ligne, eh bien, cela fait de l'ombre aux contenus locaux, notamment dans les pays francophones. Et les chercheurs ont mentionné que la diversité des contenus culturels francophones produits n'est pas nécessairement accessible et consommé. Et là, on a même Alain Kindo, Divina Fraumex, qui ont écrit sur ces questions. Apparaît ici un élément de réflexion qui va être important dans notre discussion et qui va être abordé plus tard dans la journée sur la question de la découvrabilité des contenus culturels francophones. Vous savez, avec mon collègue Destiny Chewali, nous avons, pour le compte de l'OIF, réalisé un certain nombre de recherches concernant le potentiel de découvrabilité des contenus culturels francophones. Et là, peut-être rapidement pour définir la découvrabilité, qui est un concept assez compliqué. Le degré zéro de cette définition, c'est la capacité pour un produit ou un contenu d'être découvert par un internaute qui ne le cherchait pas nécessairement. Mais de manière plus fine, la découvrabilité repose sur trois paramètres, et c'est Destiny qui a pensé à ces trois paramètres avec trois lettres que vous devez connaître ici, mais qui n'ont pas la même signification. Le RPR, donc repérabilité, prédictibilité et recommandabilité, qui sont trois paramètres qui permettent de penser la découvrabilité des contenus. Mais ce qu'il faut savoir ou retenir dans la découvrabilité pour mieux saisir les enjeux d'imaginaire en circulation, dans la recherche qu'on a menée, on a pris un certain nombre de contenus audiovisuels. Entre autres, vous savez qu'il y a le fonds francophone de l'image de l'OIF qui donne un certain nombre de prix pour des films, et on a essayé de voir comment circulent ces films. Et là, tenez-vous bien, sur une période de 2014 à 2019, où il y avait 54 films, eh bien, on analysait les plateformes existantes, et de ces 54 films, il y en avait un qui circulait sur YouTube. Si on prend aussi des films du FESPACO sur une période de 2009 à 2019 avec 15 films, il y en avait 3 également qui circulaient sur YouTube. Le festival Vue d'Afrique, un festival important à Montréal, avec trois films identifiés, il y avait zéro qui circulait sur YouTube. Et je vous parle de YouTube parce que Netflix, n'en parlons pas, aucun de ces films n'est présent sur Netflix. Ce qui nous amène à dire que malgré les prix
malgré la stratégie, une stratégie de diffusion qui a été mise en place, les imaginaires issus des pays francophones ont une certaine misère à circuler dans l'univers prescrit par les algorithmes. On va revenir peut-être un peu sur ce que Frédéric Coupa disait tantôt avec les biais, mais avant de tendre vers cela, je vais aborder une deuxième recherche qu'on a menée avec ma collègue Christine Toer sur le visionnement des séries en ligne par les jeunes Québécois. Et on a essayé avec Christine de voir quel type de séries sont visionnées par les jeunes de 18 à 34 ans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les recherches montrent que les séries américaines constituent globalement les contenus les plus visionnés à l'échelle de la planète. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un constat révolutionnaire que de le faire. Mais on se rend compte aussi qu'il y a une progression de la circulation, de la consommation des contenus culturels produits en dehors des États-Unis. Il y a une augmentation constante. La recherche qu'on a réalisée, on a fait d'une part un sondage auprès de 1000 jeunes entre 2019 et 2020, 1000 jeunes québécois, et on a fait des entretiens semi-dirigés avec une quarantaine de jeunes pour comprendre un peu la consommation des séries et entre autres la consommation des séries transnationales. Et ce qui ressort de manière importante, c'est à la fois le dispositif utilisé par ces jeunes qui sont, c'est le téléphone qui est l'outil le plus utilisé pour consommer les séries. La plateforme numéro un aussi utilisée, je vous le lance, je ne sais pas si en France c'est la même chose, mais en tout cas au Québec c'est Netflix qui est consommé par 87% des jeunes qui ont répondu au sondage. Ensuite, YouTube à 48%, les sites des chaînes de télévision à 41%. Ici, Tout.tv, ben c'est une plateforme de Radio-Canada qui vient par la suite. Et puis, Disney+, et enfin, nous avons les sites de streaming illégal. Donc, Netflix a le monopole dans la circulation, la consommation des contenus par les jeunes. Et ce qui est également ressorti, comment ces jeunes identifient ou choisissent les séries qu'ils regardent, eh bien, en premier, ben, ce sont les prescriptions des algorithmes, ou donc de l'algorithme de Netflix. Et dans ce contexte-là, ça nous fait penser que la circulation ou les images qui sont en circulation auprès de ces jeunes, mais ce sont des images qui sont prédéterminées, en tout cas qui sont prescrites par ces algorithmes-là, et qui nous renvoient un peu aux questions de biais qui ont été mentionnées tantôt par Frédéric Coupa sur le fait que même avec Netflix, mais on a des biais dans ce qui est prescrit aux jeunes, et notamment aux jeunes, en tout cas à tous les usagers de Netflix, des séries américaines, certes, mais aussi d'autres types de séries qui sont sorties, des séries britanniques, des séries brésiliennes, des séries coréennes, et vous connaissez le nom de toutes ces séries qui ont aussi été très populaires au sein dans l'espace public, en guillemets. Qu'est-ce que ça nous entraîne? Et puis je vais aller tranquillement vers une conclusion. Qu'est-ce que ça nous permet, ces deux exemples permettent de saisir de la circulation des images ou de l'imaginaire en circulation dans le monde francophone? C'est qu'il y a certes une posture localisée de la consommation, mais cette posture localisée, eh bien, s'insère dans un
processus plutôt mondialisé avec en toile de fond un rôle majeur de l'intelligence artificielle qui est d'une certaine façon prescriptrice des imaginaires en circulation. Et donc, si l'intelligence artificielle prescrit ces imaginaires en circulation, nous indique ce que nous devons consommer et ensuite l'objet des discussions que nous avons suite à cette au visionnement de ces séries, il y a lieu aussi d'interroger l'impérialisme culturel qui est à l'œuvre. Parce que si au départ cet impérialisme culturel c'est un impérialisme états-unien, aujourd'hui, c'est de quel impérialisme parle-t-on? Puisque si on prend le terme d'impérialisme, c'est un empire associé à une nation ou à un État. Mais là, les GAFAM ne sont pas des nations ou des États. Donc, quelle est la forme d'impérialisme qui est à l'œuvre en ce moment et quelle est la place de la francophonie dans ce dispositif impérial? Parce que, et on le voit, le parent pauvre, eh bien, c'est la francophonie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Il pourrait ajouter une pierre à ce que vous avez présenté comme réflexion, la place de la francophonie dans les biais des algorithmes ou de l'intelligence artificielle. Donc là, c'est également des éléments de discussion qu'on pourrait avoir. Alors, je vous remercie. Je m'arrête là. Bien, merci beaucoup. Je vais présenter maintenant donc Manuel Zaclav, qui, après une formation en psychologie et en intelligence artificielle, a mené une double carrière dans la recherche et le développement privé et public. Il contribue à introduire en France la recherche en Computer Supported Cooperative Work, excusez-moi l'accent, en créant en 1995 avec le groupe de recherche qu'il anime les conférences scientifiques internationales, COOP, sur la conception des systèmes coopératifs. Professeur à l'Université de technologie de Troyes en 1998, il crée le premier laboratoire pluridisciplinaire français entre sciences humaines et sciences de l'ingénieur sur les problématiques du travail coopératif. À son arrivée au CNAM, il crée avec Ghislaine Chartron le laboratoire DISEM-IDF. Voilà, et donc il défend la recherche partenariale avec les entreprises. Ses recherches actuelles portent d'une part sur le travail coopératif et la gestion des connaissances appliquées à l'étude des communautés, à la socio-économie des services, à l'économie de fonctionnalité et d'autre part sur les systèmes d'organisation des connaissances et la théorie du document pour la conception de systèmes de partage d'informations et de coopération via le web dans des contextes professionnels, citoyens et culturels. Donc, je vais laisser la parole à Manuel Zaclav pour cette présentation. Donc, merci pour cette présentation. Bon, j'ai réalisé tardivement, pour vous dire la vérité, que ça portait sur les imaginaires mon intervention. J'étais un peu... je me suis ressaisi, j'ai bien réfléchi. C'est une question que j'avais aussi un tout petit peu travaillée en lien avec Appa Durail, justement, dans un article que j'avais commis sur le web et comment ça transformait les imaginaires. Donc, je vais être bien dans le sujet, rassurez-vous. Voilà ce que je voudrais dire en introduction, c'est que mon discours est très critique vis-à-vis du technosolutionnisme, de façon générale, vous l'avez senti dans l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, mais que je ne suis pas du tout technophobe. En réalité, je pense, comme Frédéric, que sans verser dans les délires transhumanistes, l'idée d'une autonomie de l'IA, ou l'IA qui serait un espèce de partenaire dans des chatbots avec lequel on dialoguerait, doté d'une personnalité, il y a une place à trouver pour une technologie qui nous oriente vers la transition, vers des usages maîtrisés, vers des usages écologiques. Enfin, donc, c'est pas du tout l'idée de rejeter la technologie ou la recherche dans les sciences de l'ingénieur, dont moi j'ai été partie prenante, c'est qu'il y a beaucoup d'imaginaires, qui nous orientent très très mal, et que c'est de la responsabilité de ces imaginaires et des idéologies associées d'orienter un peu ces différents développements. Alors oui, comme vous l'avez gentiment rappelé, effectivement, moi j'ai fait ma thèse en IA, mais pas dans l'IA. Vous savez, on a parlé d'IA forte, d'IA faible, on pourrait y revenir un petit peu. Il y a une autre distinction qui est assez éclairante pour comprendre l'histoire de l'IA, c'est la distinction entre IA symbolique et IA connexionniste. L'IA symbolique, c'était celle des systèmes experts, des réseaux sémantiques, des frames. Voilà. Moi,
j'ai en fait fait ma thèse dans ce moment de l'IA symbolique, hein, où l'imaginaire était celui des bases de connaissances qui allaient mettre en règle le savoir humain, qui est toujours présent, hein, ce courant-là, mais moins fort. Et puis ensuite, on a eu, alors le connexionnisme existait déjà, hein, mais il était dominé par rapport à l'IA symbolique, et il ne s'est vraiment développé qu'avec la mise à disposition de ces très nombreuses données. Et maintenant, l'imaginaire, c'est celui de la data comme le pétrole du futur, hein, voilà, et de la décision algorithmique, l'idée qu'on pourrait confier des décisions relatives au social et aux êtres humains à des algorithmes, voilà, des idées qu'on pourra contester très facilement. Et effectivement, là, j'avance un tout petit peu sur mes arguments, mais parce que ça a déjà été un petit peu évoqué ce matin, on a parlé de traduction automatique. Bon, alors juste après, effectivement, Frédéric a rappelé les travaux de Casili. Hein, il faut être quand même très très clair. Tous ces algorithmes de traduction automatique ne font que piller le travail des traducteurs humains. Vous savez que tous ces algorithmes, ils ne sont performants dans les langues dominantes que parce qu'il y a plus de corpus qui font, en anglais, en français, en allemand, mais que si vous voulez même traduire du portugais, moi j'ai fait le test avec Translate, c'est bien moins performant, le français et le portugais, vous êtes souvent obligé de repasser par l'anglais pour avoir de bonnes, et que DeepL est bon parce que il y a derrière la société, Lingue, là, vous savez, où il y a beaucoup de traducteurs, hein, qui ont bénévolement, bénévolement ou pas d'ailleurs, donc, qui ont fait des traductions très fines d'expressions. Donc, l'IA connexionniste, elle est toujours basée. C'est une forme, les spécialistes seraient très furieux, mais bon, c'est une forme très sophistiquée d'un type de statistique qui va puiser sur des corpus toujours élaborés par des humains, et donc ces idées d'autonomie et autres sont tout à fait... Alors ce sont néanmoins des imaginaires intéressants, c'est-à-dire que... on va parler un peu de la notion de mythe rationnel, hein, qui est introduit par Armand Attuel, et qui nous montre comment, de toute manière, ces mythes... qui vont devenir rationnels quand ils sont confrontés aux limites de la réalité, sont des vecteurs de développement, et que, je veux dire, ces mythes rationnels sont aussi bien technologiques que organisationnels. On pourrait dire que peut-être que l'ONU est née aussi sur un mythe rationnel de la possibilité d'une paix, d'un dialogue entre les peuples, et qu'il y a des choses aussi très positives à tirer de ces mythes. Donc il ne s'agit pas de jeter complètement le bébé avec l'eau du bain, hein, comme je l'ai dit en introduction, mais d'arriver à une position un peu équilibrée. Donc avant de revenir un instant sur cette notion de mythe rationnel, peut-être une réflexion sur qu'est-ce que l'imaginaire en fait, hein. Donc c'est cette base, alors bon, j'ai pas révisé véritablement, comme je vous l'ai dit, peut-être que d'ailleurs Christian sera plus pointu que moi, mais enfin... C'est ce fond d'image, de film, de création auquel il a fait référence, hein, une espèce de fond culturel dans lequel les arts, la musique, la langue, les récits sont dominants. Hein, ce serait ça l'imaginaire. Et en fait, ce qui est intéressant chez les chercheurs, bon, Castoriadis ou autres qui travaillent sur l'imaginaire, c'est de se dire que dans le fond, ils sont premiers. Hein, c'est-à-dire que même finalement les idéologies, les recherches scientifiques vont s'appuyer sur le fait que nous sommes construits sur ces imaginaires d'un point de vue anthropologique. Hein, et donc ça, c'est très intéressant justement par rapport à cette idée qu'il existerait une rationalité qui serait découplée d'un fond qui serait biaisé. Nous sommes d'abord des êtres d'imaginaire, nous sommes d'abord des êtres de culture. Et là-dessus, nous allons élaborer des approches plus pragmatiques, plus basées sur la technique, plus basées sur des raisonnements scientifiques. Bon, donc voilà une façon de positionner les imaginaires, hein. Et donc je me disais comme ça en réfléchissant, en préparant, c'est intéressant de travailler sur la performativité des imaginaires ou le caractère instituant des imaginaires, hein. C'est-à-dire que très souvent, maintenant, c'est très connu l'idée de la performativité des modèles scientifiques. Hein. Par exemple, on est bien en sociologie des sciences et des techniques. Hein. À partir du moment où vous avez un modèle ou une théorie scientifique, par exemple d'ordre économique, qui vous explique que les êtres humains sont essentiellement animés par un sentiment de compétition et de gain monétaire, eh bien, vous induisez ces comportements chez une partie de la population, alors que probablement nous sommes bien plus des êtres altruistes, coopératifs et bienveillants à la base. Et que c'est plutôt la performativité de ces théories économiques libérales qui nous font agir de cette manière-là. Hein. C'est-à-dire que une théorie scientifique va modeler les comportements. Et de la même manière, probablement, il y aurait quelque chose avec deux niveaux. Hein. C'est-à-dire que l'imaginaire va inspirer
l'orientation même des programmes scientifiques. Hein. Moi, j'ai connu ça dans ma carrière à plein de moments. Et ensuite, ces programmes scientifiques vont encore avoir un effet de performativité sur voilà, le monde économique, sur toute une série de comportements des consommateurs et autres. Moi, par exemple, j'ai connu le moment du web sémantique. Hein. Voilà, à un moment donné, on croyait que on allait pouvoir représenter tous les contenus qui circulent sur le web dans des ontologies logiques et qu'on allait avoir une transparence absolue de ces contenus. Nous, on n'y a pas cru, justement pour les bases scientifiques sur lesquelles on était. On savait que c'était faux, hein, mais bon, quand même, pour avoir des financements, alors on a créé le courant du web socio-sémantique. Hein, voilà, et on a quand même récupéré des financements. Donc, on est de toute façon pris dans ces imaginaires qui vont orienter les programmes. Et puis, il faut arriver à les faire retomber sur ces fameux, une forme de rationalité de ces mythes. Hein. C'est-à-dire que finalement, au bout d'un moment, quand on se confronte à la réalité, aux difficultés de mise en œuvre, eh bien, ces mythes sont davantage contenus, ils vont perdre une partie de leur pouvoir, et ils vont devenir des choses plus raisonnables. Hein. Mais en fait... voilà, il y a Nathalie qui est ici, par exemple, il y a le mythe de l'industrie 4.0 aujourd'hui. Hein. Enfin, on sait aussi que c'est totalement fou. Mais c'est un mythe qui néanmoins va orienter un certain nombre de recherches et qui peut avoir des effets, y compris positifs. Donc, on doit toujours être dans une espèce parce que c'est assez naturel. Hein. On est tiré par des utopies, on est tiré par des croyances. Elles alimentent nos désirs et puis, elles vont orienter des fonds, des énergies. Et puis, à nous chercheurs, et pas seulement chercheurs, hein, praticiens réflexifs, critiques, de les remettre à leur juste place. Et donc, justement, là, le point que je voulais évoquer dans cette deuxième dernière partie, hein, c'est comment finalement les sciences humaines et sociales sont en mesure de contredire les imaginaires technosolutionnistes. Alors, on l'a déjà abordé dans la conférence introductive avec les travaux vraiment très, très, très sympas de Casili, hein, qui montrait, comme on l'a rappelé, qu'à travers les systèmes à la Amazon Turk, en fait, la plupart des systèmes connexionnistes, hein, dans le domaine de la traduction, ça a déjà été évoqué, du dialogue en langage naturel, de la reconnaissance d'images, on l'a vu dans les exemples, sont basés sur un travail sous-payé confié à des acteurs dans des pays en voie de développement. Donc là, on voit bien une division du travail voilà, tout à fait classique et liée à connexionniste et basée sur cette division du travail très claire et très pratique en fait. Hein. Mais on pourrait aller dans d'autres domaines. Hein. Dans l'article que j'ai déjà cité, qu'on a écrit donc avec Antoinette Rouvroy, on déconstruit, enfin on analyse donc de controverses autour de l'IA. Et on déconstruit l'idée selon laquelle l'IA allait de manière inéluctable supprimer des emplois, ce qui est tout simplement faux. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y avait des prévisions absolument catastrophiques comme quoi 30% des emplois allaient disparaître. Et aujourd'hui, il y a une crise du marché du travail absolument hallucinante dans tous les pays développés, enfin, bon, qui crée toute une série de problèmes sociaux en cascade, de problèmes d'immigration, etc., etc. Et en fait, quand on regardait, alors bon, c'était le rapport de Frey et Osborne, hein, 47% d'emplois menacés aux États-Unis quand on voit la crise de l'emploi. Alors le Conseil d'orientation de l'emploi en France a dit non, ce sera peut-être que 10%. Voilà, ils avaient des indices d'automatisation de l'emploi avec différentes dimensions, qui étaient des emplois avec un manque de flexibilité, une faible capacité d'adaptation, une faible capacité à résoudre des problèmes ou l'absence d'interaction sociale. Et il disait, voilà, les métiers les plus vulnérables, je vous donne cet exemple parce que ça montre bien comment, bon là c'est des approches, là on pourrait dire c'est les SHS de type sociologie aussi qui vont critiquer des visions économiques qui elles-mêmes permettent de crédibiliser des discours de technologie basés sur l'IA qui font que les vendeurs de technologie, les IBM et que sais-je, vont imposer des programmes à des sociétés qui écoutent ces choses-là et qui sont désemparées, qui se disent « mais si je n'automatise pas, bah, je suis perdu ». Enfin, donc, il y a toute une chaîne, en fait, hein, tout un dialogue interdisciplinaire. Donc, manque de flexibilité, faible capacité d'adaptation, faible capacité à résoudre des problèmes, peu d'interaction. Et il disait, voilà, c'est les métiers des agents d'entretien de ce qu'on appelle globalement le « facilities management hein, », l'accueil, le gardiennage, la maintenance, la propreté. Bon, et alors, moi, je travaille avec des gens dans le domaine de la socio-économie des services qui, justement, étudient de manière très précise ce secteur d'activité et qui montrent qu'en réalité, il y a des besoins très largement non satisfaits dans ces secteurs.
Et qu'en fait, pourquoi est-ce que ça se passe mal dans ces secteurs-là? C'est parce que il y a une vision industrialiste de ces prestations de services dans lequel on cherche à tailoriser à l'extrême, à automatiser les tâches, hein, c'est-à-dire que si vous êtes, voilà, dans l'entretien un gardien qui fait telle tâche, vous n'avez pas le droit de changer une lampe dans l'ascenseur, vous cloisonnez les marchés. Un exemple classique, c'est le nettoyage des locaux. La personne qui nettoie, elle doit faire des tours dans les toilettes, vous savez, elle doit mettre des petites... Mais en fait, elle n'a aucune capacité d'appréciation de la pertinence du tour qu'elle fait. Peut-être qu'à un autre moment, en discutant avec un usager particulièrement peu, voilà, bah, elle éviterait toute une série de tournées. Donc en fait, on robotise en fait ces emplois. Les bénéficiaires ne sont pas satisfaits de cette robotisation. Ils se retrouvent seuls dans des environnements inhumains avec des capacités d'accueil qui en fait sont faibles. Et une fois qu'on les a robotisés, mais ça c'est des choix managériaux, on dit ben, finalement, attention, il y a un risque, ils pourraient être remplacés par des programmes d'IA. Vous voyez, le raisonnement est complètement fallacieux. C'est-à-dire que si vous robotisez le travail, ben, bien entendu, vous allez pouvoir le confier à des robots. Mais il y a toute une série de voies différentes pour imaginer l'emploi, imaginer des formes de travail et autres qui ne sont pas dans la robotisation. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, le fait que les banques, les assurances, toutes ces boîtes du tertiaire confient la relation client à des gens de moins en moins spécialisés, à des jeunes sans expérience, parce que effectivement, du coup, on est très insatisfait du dialogue qu'on a avec nos banques, nos assurances, et puis du coup, oui, ça pourrait être remplacé par finalement de l'accès à des bases de données avec des chatbots ou autres, et finalement, ces banques et ces assurances vont être remplacées par les GAFAM qui font ça bien mieux qu'elles, alors qu'on sait très bien qu'il y aurait d'autres modèles de développement, de crédit à des gens qui sont pas, dans lequel on créerait une vraie connaissance du territoire sur lequel interviennent ces entreprises de services. Ah non, vous voyez, il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucun risque de suppression d'emploi, sauf si on en fait le choix. C'est-à-dire que c'est aussi, c'est pas une fatalité, mais c'est une vraie possibilité. Hein, c'est-à-dire que si vous vous orientez vers l'automatisation des emplois, alors vous allez pouvoir mettre des robots. Donc ça, c'est un exemple de, là encore, de comment les sciences humaines et sociales peuvent contredire ces imaginaires technosolutionnistes, ces prévisions, cette inéluctabilité de l'IA, cette soi-disant supériorité potentielle de l'IA sur des hommes à qui on a confié des tâches tellement pauvres qu'effectivement un robot ou un algorithme va faire mieux. Alors, pour conclure, je pense qu'on devrait nous travailler sur d'autres imaginaires de la technologie, hein, des imaginaires plus positifs. Moi, j'avais commis des articles sur la permaculture des milieux d'activité de travail partagés. Qu'est-ce que c'est que une technologie qui tout à la fois serait durable, intégrée dans l'environnement, qui nous libère de certaines tâches sans à aucun moment prétendre nous remplacer, hein. Alors je sais pas si vous êtes très familier avec les concepts de science de l'information et de la communication, mais donc moi je suis un peu entre les deux, et il y a toute une tradition dans le domaine, vous savez, les sciences de l'information, c'est la formation des bibliothécaires, des veilleurs et autres, hein, et au cœur de ce métier, il y a ce qu'on appelle la maîtrise des systèmes d'organisation des connaissances. C'est complètement lié à ce que nous disait Christian sur la question de la repérabilité, la capacité à classer des ressources, à faire des recommandations. Hein, c'est-à-dire le travail de base d'une bibliothécaire, c'est de classifier avec des nomenclatures plus ou moins universelles, plus ou moins propres à un domaine, et puis d'indexer avec des langages de spécialité. On parlait de WordNet comme des thésaurus, des index qui sont construits plus ou moins automatiquement. Et en réalité, si vous voulez, dans mon analyse, l'IA connexionniste, essentiellement, c'est un nouveau système d'organisation des connaissances, très efficace, on l'a vu dans l'accès à des images, on le voit finalement à des accès de fragments de conversation, on le voit dans la sélection de fragments de texte à traduire, qui sont très opaques mais très efficaces, hein, dont on aurait tort de se priver, bien entendu. Et donc, si, en fait, au lieu d'être dans cette idée que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence, c'est un partenaire, c'est un quelque... Alors, évidemment, ce mythe, hein, du dialogue avec une machine qui serait dotée d'autonomie, c'est très vieux dans l'histoire du golem, dans l'histoire de Prométhée, c'était du côté des... Voilà, donc c'est très actif, mais ça ne nous aide pas à avoir, de mon point de vue, hein, une vision juste de ce que pourraient nous offrir ces technologies, c'est-à-dire, dans le fond, de nouveaux milieux, de nouveaux environnements informationnels adaptatifs. Pas une vision de l'anthropomorphisation de l'IA comme étant une espèce de partenaire à notre image, mais de réfléchir à des environnements plus confortables dans lesquels
on aurait tantôt des systèmes d'organisation des connaissances, donc des systèmes de recommandation, de classement automatisés, tantôt des systèmes humains. On sait de toute manière, je réfléchis à la notion de dispositif de transmédiation dans lequel on passe facilement du monde physique au monde numérique, au monde du papier. Donc comment je peux circuler de l'un à l'autre et peut-être que du coup, on pourrait, en réfléchissant à des milieux plus harmonisé entre ces différentes formes de structuration finalement hein, de l'information tantôt ancrée dans l'environnement tantôt accessible vis-à-vis de bases de connaissances. On se pose la question de la maintenabilité, de la durabilité finalement hein, de ces systèmes de construction de classification automatique. On l'a vu, la diversité, comme le disait la confine de Bural, des gens qui vont y contribuer, la multiplicité des usages. Ben, on pourrait arriver sur des imaginaires peut-être plus positifs de ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, que celles qu'on veut nous vendre autour de l'IA forte, du transhumaniste et autres, qui sont plutôt destructrices et peu favorables à une transition à la fois écologique et sociale. Merci.